Ils se sont réunis dès 3h15 ce matin à l'ouverture des grilles de cet entrepôt de Beaune. Ils sont transporteurs, chauffeurs ou employés de magasins. Ils refusent de travailler les jours fériés. Une demande récente de leur direction basée sur le volontariat. C'est un volontariat déguisé parce qu'on nous impose 4 jours de jours fériés sur l'année. Sachant qu'on en a un jour sur la solidarité pour les anciens et 3 jours qu'on nous impose. On nous dit que c'est volontaire, mais on nous impose quand même 3 jours à choisir. Donc pour moi, ce n'est pas du volontariat. Les magasins Aldi ouvrent désormais 6 jours fériés par an. Un changement nécessaire pour répondre aux exigences du marché et de la clientèle, selon la direction. Du travail supplémentaire mal rétribué, selon les employés. On demande à tirer sur les horaires, faire plus de travail pour faire plus de chiffres, de profits. Puis on va vous proposer, oui, vous serez payé un jour férié à 125%. Les années passées, c'était tout modulé chez nous. Donc en fait, pour les plus petits salaires, ça ne se voyait pas sur la paye en fin du mois. Ils ne sont pas en colère, mais leur morale est atteinte. En ce lundi de Pentecôte, ils ne sont d'ailleurs qu'une petite vingtaine à se mobiliser. Beaucoup n'osent pas être là parce que le souci, c'est que dans les magasins, on est des petites équipes. Donc c'est pas toujours évident qu'il n'y a qu'une personne ou deux qui veulent faire la grève suivre parce que souvent, elles ont peur des retombées. La direction d'Aldi n'a pas souhaité nous répondre face caméra. Par écrit, il précise qu'une réunion est fixée avec les délégués syndicaux le 24 mai prochain. On est tombé dessus, on n'a pas de...